Tatiarao, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait ça va être une vidéo plutôt pour nos chats en fait. On va vous montrer dans cette vidéo des choses qu'on a achetées et qu'on a reçues. Je pense qu'ils n'existent pas en France, j'en suis presque sûre. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant pour vous de connaître ça. Et ça va être super intéressant pour nos chats aussi, ils vont être très contents. La première chose qu'on a reçue en fait c'est de chez McDo. Donc c'est McDo, dernièrement ils ont fait une je sais pas comment on appelle ça, une pub. Et en fait si on achetait, alors il y avait trois choix, si on achetait soit un Big Mac, il y a trois menus quoi en gros. Ouais, il y a trois menus, si tu achetais sur internet et puis McDo va vous offrir gratuitement gratuitement un petit cadeau, un petit gros cadeau même. Donc c'est les trois menus classiques, il y avait Big Mac, cheeseburger et puis un autre avec du poisson, fish. Ouais, fish, je sais plus quoi. Et en fait le cadeau c'est une boîte pour chat, donc c'est trop intéressant. Donc on en a eu un, voilà, à quoi ça ressemble. C'est trop mignon. Donc ça normalement c'est gratuit hein. Quand vous achetez le cheeseburger ou le Big Mac, tout ça c'est gratuit. Et il y a trois boîtes différentes. C'est pour ça, c'est une boîte à vogue. Ouais, une boîte surprise quoi. Surprise. Et donc on sait pas lequel est dedans. Et regardez derrière, c'est trop mignon aussi. C'est trop mignon. Tous les deux on espère que c'est le Big Mac. Big Mac. Tu veux que j'ouvre ou tu ouvres? Je crois qu'on peut ouvrir par au-dessus. Eh, on peut ou pas? Ah oui, on peut. C'est lui! Waouh! C'est lui! C'est cheeseburger. C'est le Big Mac, le meilleur! On voulait absolument avoir le Big Mac parce que c'est le plus mignon! Et c'est lui! C'est vraiment celui! Vous voyez? Dedans, il y a plein de cartons. Il faut nous. Voilà, nous-mêmes quoi. C'est ça, donc c'est une boîte à chat qu'il faut qu'on monte nous-mêmes. Vous voyez, il y a ça pour que les chats puissent faire leurs griffes. Oh, trop mignon! Il y a des stickers avec aussi, regardez. C'est trop mignon! Des stickers chat et je pense que c'est un Shiba l'autre. Il y a un chien aussi. Ça, c'est quoi ça? Notice. Ah, la notice. Comment faire la boîte? C'est trop mignon les petits dessins, ils sont trop mignons. Tenez là, on voit les trois boîtes. Voilà, ça c'est les trois différentes boîtes. Donc nous on a celui du dessus, ouais. Celui du dessus qui est trop mignon. Et il y en a, ça c'est le cheeseburger et ça c'est celui avec le fish. Big Mac, c'est ce qu'on a. Et le fish et le cheeseburger. Ouais. C'est les trois produits principaux de McDo quoi. Regardez, voilà. Ça c'est le pack. Oui. Ça pour entrer. Ici c'est le logo McDo. Trop mignon. On va présenter à Artoise le nouvel objet. Oyo, oyo, tout de suite rentré. Bah elle est bien là. Thank you.
Ok, donc maintenant c'est parti pour le deuxième et troisième objet. Donc, hop, j'en prends, Les voici. Donc ce sont des sortes de boîtes à bento. Enfin, pas vraiment bento, c'est plutôt comme... Il y a Ravi qui est complètement folle. C'est plutôt comme les nouilles instantanées. Vous savez, les nouilles instantanées où c'est dans une boîte comme ça et vous mettez à réchauffer. Et bien c'est pour les animaux, c'est pour les chats. Hot pot. Hot pot, en fait, c'est la fondue chinoise. Mais c'est la fondue chinoise pour les chats. Ouais. Voilà. C'est ce qui est écrit là en tout cas. Il y a écrit c'est pour fondue chinoise pour animaux. Et moi, c'est gâteau. Tangkao, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, j'ai oublié. On avait demandé au vendeur, mais. En fait, tous les deux là, en fait, ça existe. Vrai, au supermarché pour humains. Voilà, c'est une alimentation pratique à faire. C'est très facile à faire, en tout cas. Mais tous les deux, celui-là, on vous montre. En gros, c'est pour les chats, quoi. Donc, c'est intéressant, mais moi, je savais pas, quoi. Et juste la forme, comme la fondue chinoise. Oui. Rabi est hyper excitée parce qu'elle peut pas rentrer dans la boîte vu que c'est ardoise qui est dedans. Du coup, elle est trop fâchée. Vous voyez, il y a plein d'alimentation dans le bol. Comment fondue ? Chose dedans. Donc il y a deux choses. Il y a une chose, c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est un truc de. De la pâté, non ? Pâté, pâté, poulet. Ça, c'est pas mal. Et avec. Ça, c'est des plein de petits morceaux. Voilà. Donc là il y a du poulet, là il y a du bœuf et là il y a des œufs. Donc on va ouvrir maintenant le deuxième. Oh, c'est vraiment, il y a le moule du gâteau. C'est vraiment un gâteau quoi. Vous voyez le processus. C'est trop mignon, lui c'est trop bien. Il y a ça, je sais pas ce que c'est de la sorte de farine. Et puis ça, je sais pas ce que c'est. Ouais. Il y a... Pourquoi il y a ça, il y a... fourchette et couteau et ça, ah, ça c'est pour chauffer ça. Ça c'est un truc qu'on craque et ça chauffe, ou avec de l'eau chaude je crois, faut mettre de l'eau chaude et ça chauffe. Et il y a un moule, je sais pas comment ça marche, on va voir. Et lui on le fera une prochaine fois parce que sinon là ça va leur faire de trop, elles vont pas tout manger, ça sert à rien. On va d'abord faire le gâteau. C'est parti. Ça c'est de l'huile de poisson apparemment, c'est un peu bizarre. Du coup là on a rajouté de l'eau là dedans. Et là, il faut. Ça, en Chine, on l'utilise souvent pour le riz. On a des boîtes comme ça de riz instantané. Oh, en milieu. Oh, c'est pratique. Et en fait, il y a ça au fond et on met de l'eau chaude et après ça fait chauffer le riz comme les nouilles instantanées mais avec du riz quoi. Et puis on va rajouter de l'eau jusqu'à ici et puis tout, je dois le fermer. Qu'est-ce que c'est ? 15 h 20. Quel est ce boulet ? Et puis aussi. Quoi ce truc? Trop mignon. Faut le mettre dans une assiette, non? Ça se casse. On n'aime pas, peut-être. Peut-être, ouais, on va voir, on va laisser.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon, finalement, le gâteau à la fin a été un cuisant échec. Aïe, puis s'en va. Ah. Je vous envoie un corquillo. Piou. 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 Bon, Happy aime pas trop se faire prendre dans les bras. Bon, en tout cas, le gâteau était un cuisant échec. Ardoise et Happy ont senti un peu le gâteau, mais ils n'ont pas du tout voulu le manger. Je l'ai laissé dans la gamelle, on va voir si elles le mangent ou pas finalement. Je pense que c'est un peu industriel aussi, c'est pour ça qu'elles aiment pas trop. Et cette boîte-là, on l'a pas faite, mais c'est juste du pâté et de la viande dedans. Donc au final, il n'y a rien à faire, il y a juste à leur donner comme ça. Mais c'est déjà très bien. Et elles sont très contentes, elles adorent leur nouveau, leur nouvelle boîte. Elles aiment vraiment beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre notre Instagram. Je mettrai le lien en barre d'infos. On essaye, enfin en tout cas moi, c'est surtout moi qui m'en occupe. J'essaye de poster des choses aussi souvent que je... Bye bye. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bye 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 bye. Oui, yo.